Je vais me suicider. Je sais juste pas encore quand. Qui je suis? Ce que je veux pas être. Un contour limite. À l'intérieur, il y a vous. La normalité. À l'extérieur, il y a les autres. La différence. Sur la ligne, il y a moi. Ce que j'ai été, ce que je me tue à tuer. Ce que je serai jamais. Normal. Dépression, drogue, boulimie, anorexie, anxiété, hypochondrie. Je suis une grande névrosée. Le temps. Je l'adore, cette horloge-là. Elle est comme moi, elle est dysfonctionnelle. Je me dis que la journée où elle va recommencer à fonctionner, mais il va peut-être avoir de l'espoir pour moi. L'enfance. J'ai 5 ans, elle veut pas s'asseoir à côté de toi. Qu'on veut même pas te prendre la main. Qu'on t'enfonce le visage dans la neige juste pour voir si t'es encore capable de respirer. On te bouscule. On t'insulte, on te traite de laide, de grosse. Comment on devient normal quand les gens qui devaient nous l'enseigner veulent pas de nous? On fait quoi de sa culpabilité à toujours vouloir essayer malgré qu'on soit dans l'échec? Quel genre d'adulte on devient? Ferme les yeux. Quand je les ouvre, c'est encore la même chose. Être convoité. La séduction. Le sexe. L'hypersensibilité. L'adaptation. L'abus. Le sexe. Le mauvais sexe. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable de m'aimer malgré ma noirceur? Être comme moi, c'est... C'est comme avoir le diabète, c'est comme faire de l'asthme. Être comme moi, c'est... C'est comme les saisons. Les mauvaises décisions. Placement, l'arrêt d'agir, les familles d'accueil, les foyers de groupe, les centres d'accueil, les écoles spécialisées. S'en aller loin, 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 loin. Le plus loin possible. Mais il est trop tard. Trop tard parce qu'on a appris à vivre sans le contact de l'autre. Trop tard parce qu'on veut être aimé. On veut aimer. On a peur. On ne sait pas comment parce qu'il n'y a personne qui nous le montre. On veut aimer. On va être touché. On va être aimé. On a peur. Des jours où je vais bien, des jours où je vais moins bien. Des jours où ça ne va pas du tout. Plus dangereux, c'est les journées où je pleure pas. Parce que ces jours-là me rapprochent de plus en plus de la fin. Au début, tu te dis que tu vas essayer. Les thérapies individuelles, les psychiatres, les psychologues, le groupe,
dis que peu importe le temps que ça va prendre, mais tu vas te battre, puis tu vas t'en sortir. Puis là, il y a quelqu'un qui te dit que tu vas être comme ça toute ta vie. Que toute ta vie, il va falloir que tu apprennes à dealer avec tes ups puis tes downs. Que tu apprennes à les contrôler. Qu'à chaque fois que tu vas basculer, va falloir que encore et encore, tu trouves la force de t'accrocher. C'est épuisant. Fatigué. Jusqu'à la fin, je vais me demander si cette fois-ci, c'est la bonne. Si je vais revenir. Ou si je vais tomber jusqu'au fond. Avec le temps, j'ai réalisé que le plus dur, c'est pas de s'accepter, c'est plutôt d'accepter que les autres sont pas obligés d'apprendre à te connaître. J'haïssais les premières impressions. Moi, je suis toujours perdante là-dedans. Parce que pour apprendre à me connaître, il faut prendre du temps. Pour m'aimer, pour rester, il faut prendre du temps. Du temps, mais... Mais il n'y a personne qui a du temps aujourd'hui. Qui est-ce qui prend du temps aujourd'hui? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui prend du temps. La folie, pour moi, c'est à la fois ma plus grande qualité et mon pire défaut. J'aime ça dire ça. Je m'appelle Mathilde Tremblay puis j'ai un trouble de la personnalité limite. Je suis pas capable de rentrer en relation. Je suis pas capable de garder une relation durable, je suis pas capable de garder un emploi, je... Puis... Mais j'évite les relations parce que je m'attache trop vite, mais ça fait peur au monde. Ça fait peur à la normalité. C'est noir ou c'est blanc? Il y a pas de gris dans mon monde. C'est noir ou c'est blanc? Il n'y a pas de gris dans mon monde. Il n'y a pas de gris dans mon monde. J'ai juste envie. Déjà vu. Il y a des jours où je vais bien, des jours où je vais moins bien, puis des jours où je vais pas bien du tout. Quand je suis en crise, j'ai envie de mourir. Ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer 60 minutes sur une bande vidéo. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est l'exil. C'est ça, mon contrôle, c'est... C'est la solution que j'ai trouvée. Comme ça, y a personne qui... Y a personne qui sait vraiment, tu sais, je suis là. Puis après, je suis partie pour un petit bout de temps, puis je reviens. On se pose pas de questions avec les sourires. Ils partent pas parce qu'ils comprennent.
comprennent pas parce qu'ils se sentent dépassés, puis moi, ben, j'ai pas mal parce que. J'ai pas mal parce qu'ils s'en vont. Parce qu'ils comprennent pas. Je sais pas si je vais dépasser mon enfance. Je sais pas si je vais survivre à l'âge adulte. C'est 50-50. Je me fais le médecin trembler, puis je suis borderline.